Madame Anne-Christine, oui, vous venez là de, avec un groupe, oui, de jeunes dames, oui, effectuer une discipline. Quelle discipline? Ça s'appelle Raga Pop. Raga Pop. Raga Pop. Raga Pop. Raga Pop. Et qu'est-ce que c'est que cette danse? En fait, j'ai créé ce concept il y a 6 années parce que je dansais les danses urbaines, donc tout ce qui est afro, dancehall et hip-hop. Ah oui. Et puis c'est des danses souvent qui demandent beaucoup de technique, hein. Et je voulais vulgariser le concept. Donc j'ai créé un concept qui s'appelle Raga Pop, qui permet, qui s'appelle des cours chorégraphiés, pré-chorégraphiés. Et c'est les mêmes routines pendant plusieurs mois. Donc les gens, c'est pas un cours de danse normal, c'est accessible, c'est vraiment ouvert à tous. Donc en fait, c'est pour ça que vous avez, c'est des danses assez jeunes, mais vous avez toutes sortes de monde, parce que c'est accessible à tout le monde. Pas besoin d'avoir pris des cours de danse. Voilà. Et est-ce que vous avez déjà donné un spectacle avec votre groupe? Oui, on a fait plusieurs festivals. On a fait, je me souviens plus, Festival d'Afrique, on a fait. Ici à Montréal. Oui, à Montréal, au Vieux-Port. On a fait aussi le Festival de percussion. On a fait aussi le festival de reggae, donc c'est ça. Puis on enseigne dans les cégeps aussi auprès des jeunes. Puis le but aussi du concept, c'est de donner des formations d'enseignement à des jeunes qui ont un potentiel en danse, mais qui n'ont jamais enseigné. La structure du cours permet en fait d'enseigner facilement, et ça donne comme une structure pour le professeur pour enseigner quand il n'a jamais enseigné. Puis on ouvre notre salle en septembre avec nos locaux et nos professeurs. Qui seront où? Alors pour l'instant c'est indéterminé parce que comme tout est fermé, c'est ça. Mais si vous voulez les informations, vous pouvez aller voir sur le site Facebook Raga Pop ou ragapop.com. Bon. Voilà. Et j'ai vu vos dames semblent très à l'aise. Oui. C'est avec le temps qu'on finit par... Mais comme j'expliquais, on garde en 3 mois les mêmes routines. Donc les gens apprennent au fur et à mesure les mouvements. Puis c'est des séquences quand même répétitives. Donc c'est simple à apprendre. Et ces jeunes dames qui sont avec vous, là, elles sont là depuis combien de temps? Un ou deux ans. Ouais. Alors... Puis on s'adresse aussi aux jeunes dans les cégeps, dans les collèges. Moi j'enseigne dans des collèges aussi. Et le but, c'est vraiment de faire connaître les danses urbaines à tout le monde.